Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Splatoon 2 avec le festival avec les Tortues Ninja, donc Team Leonardo, donc la team que j'ai pris, versus la team Raphaël. Donc là on est sur la map polymorphe, donc j'étais surpris, recyclage de la map polymorphe. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième. Voilà, donc ils ont recyclé la map polymorphe. C'est chaud, mais en même temps je peux comprendre. Vu qu'on n'y joue pas tellement, ça me gêne pas trop. Après, c'était pas la meilleure map polymorphe, ça je vous l'avouerai. Et ils ont pas remis la première. Ils auraient pu mettre la première et puis refaire dans le même ordre. Non, ils ont décidé d'en mettre une autre. Donc elle ressemble à ça, voilà, avec les différents niveaux. Donc j'ai choisi cette team là parce qu'au début on devait choisir la couleur, voilà. Et au final, tout le monde a pris Leonardo, donc on s'est dit, donc je me suis dit, je vais prendre Leonardo pour pouvoir jouer en équipe. Même si c'est vrai, je vous fais des équipes en solo. J'aime bien tourner les vidéos festival, pas Splatfest festival en solo. Je trouve ça plus intéressant et au moins je suis un peu plus concentré sur le gameplay. C'est pas la même manière. Là, je parle quand je fais des parties entre amis, c'est pas du tout pareil. Donc c'est un dessin animé, moi j'ai regardé en dessin animé, voilà, les Tortues Ninja, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Après voilà, une fois que j'ai commencé à grandir, j'ai décroché, on va dire. J'ai décroché à peu près à la même période que Power Rangers à l'époque. Donc voilà, c'est pas les dessins animés que je préfère. Voilà. On dirait à l'heure actuelle, on regarde Tortue Ninja, je regarderai par nostalgie, mais c'est pas le dessin animé qui m'a marqué le plus. Je parle des vieux. D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre le design. Ça m'a choqué de voir les Tortues Ninja comme ça. C'est pas du tout mon design d'époque du dessin animé. Je vous mettrai peut-être une incruste, je pense. Je vais le faire. Je vous mettrai une petite incruste, je penserai à ça. Donc moi, j'avais ce design en tête. Et c'est vrai que ça ressemble pas trop, hein. Moi j'ai du mal. Donc, il y en a qui m'ont dit c'est pour sortir du film, donc ça va être aussi un festival. Vous allez en manger du festival sur ma chaîne parce que ça se passe en 3 étapes, si j'ai bien compris. Donc, il y a un système de duel et à la fin ça va jouer entre les deux. Enfin, j'ai vite fait, hein. J'ai pas tout suivi. Je vous avouerai. Donc les victoires, c'est à peu près équilibré pour le moment. Voilà, j'ai fait un peu du match par équipe, c'est équilibré, il y a tout. Je pourrais pas vous dire clairement qui va perdre, qui va gagner. Donc je vous ferai un peu toutes les maps cette fois-ci. Je vous ferai pas forcément que cette map là parce que je la trouve pas, c'était pas pour moi la meilleure polymorphe. Du coup vu que vous l'avez déjà vu, je vais vous faire tourner un peu. Et je suis passé rang étoile, niveau à étoile. Et oui. J'ai réussi. Je suis super content quand même. Pas d'équipement, rien du tout, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait super plaisir. Vous voyez, j'ai joué un petit peu là. Voilà. Et puis les Tortues Ninja, c'est acquis. Ils ont à peu près tous le même caractère. Moi, j'aimais bien Michelangelo. Donc, on va continuer. On retrouve juste à la suite sur la galerie. C'est assez, je crois. Je crois. Je vais pas regarder. Donc oui, le rouge. Pourquoi je pensais qu'il allait être plus rouge. Là, ça fait un peu bleu dentifrice. Je sais pas. Ça me fait penser à ça. Je peux pas vous dire pourquoi, mais ça me fait penser à du bleu dentifrice. Et le rouge fait rouge rosé. C'est pas. Je pense qu'ils ont. Il y a eu ketchup qui était bien rouge sang. Je pense que ça a dû faire un petit peu polémique ou je ne sais quoi. Enfin. Je sais pas pour quelle raison, parce qu'il n'est pas. Je veux dire, voilà, Leonardo, il est rouge, il n'est pas en couleur. Je sais pas quoi, délavé, je sais pas. Je peux pas vous dire la couleur que c'est, mais. Enfin. Et puis tout dépend les maps aussi. Éclairage, alors est-ce que. Il y en a, ils disaient que sur tablette c'était un peu plus rouge. Sur la télé, pourtant j'ai mis beaucoup de contraste de couleur, hein, parce que je sais qu'elle est un peu pâle. Bon, voilà. La Switch, hein. Tu vas partir, bordel! Je trouvais que la Switch, ouais, était un peu.
petit peu plus pâle que la Wii U, enfin pas le même contraste de couleur au début. Voilà, bon, je suis comme un petit caca. Et du coup, ouais, voilà, bon, je me suis dit que je voulais faire un peu sur tout. Vu qu'il y en aura trois, on aura le temps de voir venir. Et après, est-ce que c'est parce qu'ils recyclent les maps, parce que vu qu'il y en a trois, parce que s'il fallait refaire trois fois, j'espère que ce sera pas déjà trois fois la map. Et voilà, oh, je me rappelle la première. La première était vraiment bien. Après, c'était des deux grandes plaques qui bougeaient, mais elle laguait et tout. Enfin, pour ceux qui l'ont fait, voilà, qui l'ont eu des one, eux, c'est. Je veux dire, là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certains adversaires. Ça m'est arrivé dans une partie, je me demande si. Je sais pas comment ils ont calculé leur calcul power, mais j'ai l'impression qu'on. Je fais ça et limite, il y en a qui vont se foutre dedans. Enfin. Regardez! Je sais pas, j'ai du mal, je comprends rien. C'est tranquillou pour un Splatfest, c'est très bizarre. Enfin, alors est-ce qu'on est dans la bonne équipe? Je ne sais pas. Je sais pas comment ça a joué, mais bon, voilà. Tu as la petite technique. Ouais, donc les Tortues Ninja, c'est vrai que c'était un manga que je regardais, mais pas plus que ça. Même par exemple, je sais qu'il y a qui sont grands fans de. S'appelle. Oh, j'en cherche le nom. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, purée. Bon, bah, désolé. J'arrive pas à trouver le nom. Oh, le trou de mémoire. Bah, si ça me revient, je vous le dirai. Je vous le dirai. Voilà, bon, vous voyez, c'était pas violent. Hein. C'était pas violent. Le maillot est sympa. Il y a une sorte de carapace dans le dos. Ouais, je vous le fasse voir. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Voilà, avec une petite carapace dans le dos. C'est pas mal. Voilà, j'ai retrouvé le dessin animé, c'est Scooby-Doo. Voilà, Scooby-Doo, bah. J'étais pas grand fan de Scooby-Doo. Pourtant, c'était un grand classique. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. On va dire, on démarre à 3. Ça commence bien. J'ai augmenté le son parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait mes réglages son, voilà, de la télé. Je sais pas, il fuit, non, c'est étrange. C'est étrange leur façon de jouer. J'ai du mal. Des. Je sais pas, ils ont une manière. Je sais pas, chelou, c'est. C'est bizarre. J'ai du mal à comprendre, c'est. Je sais pas comment c'est calculé, je sais pas si. Ouais, ils ont l'impression de. Oh, moi je fais équipe, je ne sais comment. Ouais, ils font. J'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi. Mais c'est ce que j'ai l'impression depuis des parties. Alors je vais pas vous. Je vous avoue, je l'ai fait d'affilée. Et ouais, j'ai l'impression que bah. Regardez. Y'a personne. J'aime bien les décors, c'est. On peut en profiter, mais je trouve ça toujours marrant les petits décors qu'ils ont fait. Alors j'ai pas fait de dessin pour le Splatfest, je vais le faire après. Je fais une petite tortue, je vois pas trop quoi faire. Avec deux sabres dans le dos, parce que il y en a un, Raphaël, il a quelque shuriken, enfin. Une espèce de bâton, je sais plus comment. Et Leonardo est avec le sabre. Enfin, voilà, j'ai. Regardez, mais. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Enfin, je veux dire, je veux bien, mais. Regardez, je vais en mettre une là, limite. Mais ils réagissent pas. Bon, après, je vous fais voir les parties, hein, mais. Et en privé, bah, franchement, j'ai fait du public et.
J'ai l'impression qu'on n'avait que ça. Bon, ça arrivait parfois de se faire un petit peu abîmer parce qu'on avait eu des petites décos, bah, ça arrive. Hein. Petit problème de connexion. Problème de connexion internet, ça peut arriver. Mais voilà, on ne se faisait pas poutrer. Ça, c'est une map qui est. Faut le dire, cette map-là, une fois qu'on est assiégé par là et par là, pour remonter, c'est pas évident. Et regardez, enfin, je me suis fait tuer, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de la confrontation. En tout cas, ça fait plusieurs heures qu'on est sur Splatoon. Et donc, j'ai regardé, j'ai 780 heures. 800 780 heures. Ah, je sais plus, je vous le dirai entre deux. Je vais retourner dans le menu, je vais vous le dire entre deux. Donc on continue. Donc je disais oui, quand j'ai eu mon niveau étoile, j'avais 780 heures de jeu à peu près. Et là je suis à 790. Ça se fait bien, mais il faut jouer énormément. J'ai utilisé beaucoup de tickets. Je vous avoue, ouais, j'ai fait au ticket. Là ils l'ont pas fait au ticket, hein. Je pense à Yoshi Gamer qui a tout fait sans ticket. Bon, en même temps il joue. Il fait beaucoup de lits, il fait beaucoup de pro. Je suis pas très bon en pro, hein, je vous l'avoue. D'ailleurs, je vous ai pas fait de vidéo de pro. Hein. Je me débrouille, mais. Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal, c'est pas mon délire. Sauf, je vous l'ai dit, hein, je suis pas un joueur. Je suis pas un bon joueur. Enfin, je me débrouille. Comme je dis toujours, je me débrouille. Je joue pas trop mal, mais je me débrouille. Pas compète, j'aime bien, ouais, ça j'aime pas forcément perdre, ça je l'avoue, voilà, comme tous, hein, on joue un jeu, mais je suis pas forcément kill, ça fait plaisir de faire des kills, voilà. Parce que les kills sont quand même importants, enfin faut recouvrir, mais les kills permettent de gêner l'envahisseur, faut pas nier non plus. Après, il n'y a pas que les kills, il y en a. Ils vont être coquilles. Oui, donc moi, en dessin animé, parce qu'on va parler dessin animé, moi. En dessin animé de mon enfance, et eh ben moi, j'ai grandi avec le monde foot Texadri, un tas de classiques, Pokémon aussi, j'aimais bien Digimon. J'ai regardé aussi pas mal. J'ai regardé les Total Spice. J'avoue. Super Nana. Quand j'étais tout petit, c'est Franklin, mais vraiment tout petit. Martin Matin. J'ai regardé un peu de tout. Un peu de tout. Il était une fois la vie. Plein de classiques. La famille de la jungle. Très bon. Les Razmoquettes. Enfin, vraiment beaucoup de films. Voilà, par exemple, là, ce qu'il fait sur le côté, c'est pas du tout ma cam, moi. J'aime pas jouer comme ça. Au final, ça. Je veux dire, ça donne rien. Bon, bah là, c'était pas ouf. Hein. Pas ouf du tout. Bon, ça va. J'ai quand même Théo, donc un parfait inconnu, hein, puisque je. Je joue en solo. Voilà, voilà. C'est marrant de se retrouver en Splatfest. D'ailleurs, pour le coup, je sais pas si Guillaume et Kim vont faire le Splatfest, hein, vu qu'ils sont en vacances. En Corée du Sud, je crois. Ouais, c'est bien, ils profitent, il fait beau, je pense. On va pas perdre grand chose. On va faire une petite dernière partie, je pense. On se laissera là-dessus. Et oui, je regardais énormément de dessins animés. Vraiment friand, je regardais même Marcelino. Qu'est-ce que j'ai regardé des dessins animés. Ben, ça occupait, hein, ça occupait. Hein. Il n'y avait pas internet hein, à l'époque. Donc c'est génial, on se retrouve pour la dernière. Toute d'affilée, quasiment, c'est incroyable. Alors les maps, je sais pas s'ils nous ont entendu, Nintendo. Ils nous ont donné des maps polymorphes plus récents.
plus rapidement, je sais pas. Je sais pas, parce que je vous avouerai que on tombe pas mal dessus. Après, c'est pas la meilleure pour moi. Mais on tombe pas mal dessus, donc ça fait quand même plaisir. Pour une map exclusif. Oui, donc Guillaume Kim, je sais pas s'ils feront une vidéo. Je pense pas. Voilà, donc moi, normalement, j'essaierai tout le long de la vie de Splatfest, j'essaierai de faire tous les Splatfest. Sauf si vraiment un week-end, je pourrais pas. Ça m'embêterait un peu parce que j'essaie d'avoir le maximum de coquillages. Ouais, je suis tout en maître. Je fais l'effort d'être maître. Je trouve ça très intéressant. Voilà, voilà. En plus, en ce moment, bah, sur la Wii U, sur la Switch, il n'y a pas grande sortie. Il y a une Nintendo Labo. Moi, je suis pas friand du Nintendo Labo. Hein. Enfin, j'ai pas beaucoup de place. Ma collection est dispersée sur deux endroits, alors c'est pas facile de s'encombrer. Puis, bah, c'est pas. Je me sens pas le public visé et je trouve ça un poil cher. Et j'ai d'autres jeux que je préférais avoir avant. Surtout ça, j'ai d'autres priorités. Vous voyez là, Ouais. On va pas perdre hein, quand même. C'est très mauvais. Là, j'ai pas eu foncé, mais. Oh non, monsieur Crade, le gars, il vient dans des bases. Ça, je comprends pas leur délire de. Et là, je suis sûr que le mec, il est là. Voilà, gros spawn killer de merde. Mais d'où ? On n'a pas fait de dégâts. Non. Alors ça, c'est un truc. Le mec, il serait capable de faire toute sa game là. Est-ce que c'est du jeu ? Non. Purée. Mais là, ça leur fait plaisir. On n'est pas sur Call of, les gars. Hein. Allez, voilà. Il y a eu des nouvelles musiques, alors je vous avouerai que quand elles sont sorties, j'ai pas vu. Je les ai pas entendues. Je sais pas à quoi Erden. Donc j'essaierai tout au long de la. Tout au long des Splatfest de faire tous les Splatfest, alors je sais pas si ça sera possible. On va voir quand. Tout dépend les boulots, ce qui se passe. Pas forcément évident d'être là. Ou même un week-end. Entre amis, en famille. On empêchera peut-être de faire un Splatfest. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!